Bonjour, c'est Gryfox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un résumé et une réaction à l'Ankama Live qui vient d'avoir lieu, donc ce mercredi 23 octobre, de 15h à 17h, qui portait sur un bilan de la phase 3 de la bêta Dofus Unity, 2 semaines après sa sortie, et qui allait un petit peu annoncer toutes les nouveautés qui vont arriver demain, donc le jeudi 24 octobre. Pour ce live, on avait Papineau qui est producteur Dofus, Riebeck qui est producteur associé, Koto qui est développeur client, et Lorco, le directeur artistique historique de Dofus. Je vais vous mettre quelques éléments visuels pour illustrer tout ça, mais vous pouvez vous contenter de n'écouter que l'audio de la vidéo et vous en aurez la majorité des informations pertinentes. Alors on est parti au niveau du sommaire, on a d'abord l'évolution de la direction artistique de Dofus Unity, ensuite on parlera de l'idle des classes qui a fait beaucoup réagir ces derniers temps. On parlera également des prochaines modifications donc à venir de manière imminente et de façon un petit peu plus délayée dans la bêta, d'un événement bêta qui va venir un petit peu animer les dernières phases de la bêta, et ensuite il y aura une partie questions-réponses. Alors moi comme d'habitude, je fais une prise de notes chronologique pendant les 2 heures de live, en notant en fait tous les éléments que moi j'aurais aimé qu'on me transmette si je n'avais pas pu assister au live. Voilà, je me mets un petit peu dans cet état d'esprit, l'idée c'est de retransmettre tous les éléments porteurs de sens et qui sont vraiment importants au niveau de l'évolution du jeu. Donc voilà, je vais vous développer tout ça ici. Donc première partie, l'évolution de la direction artistique. Il y a eu beaucoup de débats dans la communauté quand on a vu un petit peu ce qu'ils allaient faire sur Unity, les nouvelles apparences. Depuis, avec beaucoup d'échanges avec la communauté, des remontées sur les forums, une belle effervescence aussi sur Twitter, 17 des 19 classes ont été rework de manière plus ou moins profonde. Alors pour certaines, on a déjà vu ce que c'était, il y en a 5 nouvelles qui vont arriver demain comme classe, et actuellement il y en a 17 donc des 19 qui sont à peu près aboutis. Il reste encore Luginac et Lossamodas qui sont à terminer côté Ankama et qui arriveront d'ici quelques semaines, sachant qu'ils vont continuer encore à faire des améliorations sur toutes les classes jusqu'à la sortie officielle d'Unity. Donc à ce niveau-là, ça avance bien. Franchement, c'est de plus en plus convaincant. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient assez déconcertés par les nouveautés apportées par la direction artistique Unity. Et bah, plus les choses évoluent, plus ils font des modifications, et plus je suis convaincu. Et là, je me suis surpris à trouver certains skins vraiment stylés sur ce qu'ils nous ont présenté. Et on finit par avoir une sensation de continuité avec la 2.0, alors qu'initialement, on était vraiment sur une rupture catastrophique. Donc je dirais que les choses vont dans le bon sens à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant. Mention spéciale pour les ailes des Eniripsa qui sont redevenues très stylées. Et en revanche, le crâne de l'Enutroph reste une boule de billard, même si c'est un petit peu mieux quand même sur l'Enutroph mâle, qui était un perso que moi personnellement j'adorais sur 2.0 en termes d'esthétique, et j'avoue que là il va lui falloir lui mettre un joli chapeau pour qu'on voit pas trop son gros crâne chauve. Voilà, sinon pour ce qui est des gabarits communs, donc en gros la conception technique sous-jacente aux skins des persos, qui fait que maintenant, c'est très uniformisé, on dirait qu'ils ont un petit peu tous la même corpulence, et ça avait fait beaucoup réagir à la communauté au début. Bon, globalement, ça avait généré du coup une uniformisation des classes, mais paradoxalement, c'est aussi ce qui a permis de les retoucher avec une grande facilité et une grande efficacité côté Ankama, c'est ce qu'ils ont pu un petit peu nous expliquer. Donc concrètement, là, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, ils ont pu retoucher, remettre différentes tailles, différentes corpulences, différentes musculatures de personnages, et donc cette nouvelle approche au niveau technique des gabarits communs leur a permis d'être vraiment rapide sur tout ça, et c'est plutôt encourageant, on va dire, pour la suite, pour l'évolution du jeu. Ça veut dire que désormais, quand ils voudront faire évoluer les choses, eh bien ils ont les outils pour le faire de façon assez expéditive, ouais, donc c'est plutôt correct. Les items ont été également retouchés, voilà, ils ont parlé de 400-500 items qui ont été retouchés au niveau de l'esthétique, et éventuellement, ils nous invitent à continuer à faire des retours, hein, parce qu'il y a souvent beaucoup de retours d'indignation au tout début, et après, quand ils font des retouches, les gens s'expriment moins, et parfois, ils se demandent un petit peu si ça correspond vraiment à ce que la communauté veut ou pas. Donc, ils nous encouragent vraiment à continuer à faire remonter nos points de vue, nos ressentis sur les forums, et ce, jusqu'à la fin de la bêta. Niveau visage et costume, ils ont reconnu une maladresse de leur part, et là-dessus, je suis vraiment tout à fait d'accord. Hop là, je viens de baisser un petit peu le gain de mon micro parce que j'ai l'impression que ça a saturé un peu. Vous me direz si à ce moment de la vidéo, vous trouvez que c'est mieux à partir de maintenant ou si c'était mieux avant. Je continue un petit peu à peaufiner mes réglages. Je disais donc, niveau com sur tout ce qui est visage et costume, ils ont reconnu qu'ils ont été un petit peu maladroits, et c'est quelque chose aussi que j'avais pu souligner moi sur d'anciennes vidéos, puisqu'ils nous avaient présenté à peu près 2-3 semaines avant le lancement de la bêta des outils assez poussés de personnalisation. On pouvait vraiment choisir certains éléments du visage, les combiner entre eux de manière vraiment poussée. Et ça avait beaucoup hypé tous les amateurs de skins et du côté RP, ou qui étaient tout simplement très attachés en fait, à l'esthétique de leur personnage. Et ben, quand on est arrivé sur la bêta Unity, on s'est rendu compte qu'en fait la chose était exactement comme on est actuellement sur 2.73, c'est-à-dire on a le choix entre quelques têtes de perso, mais on ne peut pas aller tellement plus loin. Donc effectivement, ils ont peut-être communiqué un petit peu vite, c'est des choses qui vont arriver, hein, ces options poussées de personnalisation de personnages, mais pour l'instant, on n'en est pas là, ça arrivera voilà, peut-être plus tard, ils continuent à travailler dessus. C'est possible qu'on ait accès à ça avant la fin de la bêta, que ce soit prêt pour la sortie officielle Unity, ou que ce soit un petit peu plus tard. Voilà, en tout cas, ils ont été un petit peu désordonnés sur la communication autour de tout ça. Petite news assez fun, il y aura désormais un ou des PNJ coiffeurs dans le jeu, qu'on pourra aller voir, et contre une certaine somme de Kama, ils pourront nous changer notre coupe de cheveux. Ça, c'est vraiment sympa comme feature, je trouve. Et on va avoir accès donc à des nouvelles possibilités de costumes, de visages, de coiffures. Ça devrait normalement arriver sur la bêta d'ici la semaine prochaine, ou en tout cas de manière assez rapide. Et pour ce qui est des visages et des têtes et des choses comme ça, on en aura en gros 4 disponibles par défaut, et ensuite ce sera avec des interactions avec des PNJ qu'on pourra en choisir d'autres, et peut-être éventuellement en débloquer au fil de sa progression dans le jeu, dans le futur. Bon, de toute façon, ça c'est le genre de thématique où il y a plein de possibles. Une fois que eux, ils ont fait le nécessaire au niveau technique de leur côté, eh bien ça ouvre beaucoup de possibilités. Niveau de ce qui est des changements de visage et de couleur, ils comptent offrir un changement de visage et un changement de couleur à chaque personnage à l'ouverture en fait, des serveurs Dofus Unity, au lancement officiel de Dofus Unity. Peut-être sous certaines conditions, peut-être d'avoir été abonné ou d'avoir joué à telle ou telle période. Mais a priori, voilà, on aura ça pour nos personnages quand ça va sortir. Il y a un concours de cosmétiques qui est prévu en novembre sur la bêta. Un travail sur la résolution des pictogrammes, donc dans tout ce qui concerne les équipements, les sorts, les ressources, toutes les petites illustrations dans le jeu. Ils sont en train de faire un gros travail dessus, et ça c'était absolument vital, parce qu'on a été nombreux, je pense, à être un petit peu déconcertés de voir que c'était hyper pixelisé sur un truc qui était censé être une version actualisée, toute moderne du jeu, c'était pas très beau. Donc voilà, ils sont conscients de ce problème, et ils travaillent activement dessus, et j'ai hâte de voir dans quel état ça va sortir au final. Encore au niveau des améliorations esthétiques et visuelles, ils vont a priori ajouter des options pour tout ce qui est anti-aliasing et crénelage. Donc en gros des options qu'on pourra cocher ou non, qui vont nous permettre d'avoir une plus belle image, un plus beau rendu, mais en consommant plus de performance. Donc chacun selon sa machine et ses exigences, on va dire paramétrer son jeu, ses réglages comme il le souhaite, pour avoir un équilibre entre performance et qualité visuelle. En termes de pack HD, donc il nous avait parlé de ce pack HD, moi c'est une terminologie qui me fait toujours un petit peu crisper les doigts. Pack HD, il continue à travailler dessus et tout ne sera peut-être pas prêt dans les temps. On se dirigerait a priori vers 90% des éléments du jeu qui seraient en HD pour la sortie d'Unity, et puis le reste qui sera fait un petit peu sur les semaines, les mois suivants. Donc voilà, ça veut dire en gros tous ces éléments, toutes ces maps, ces petites illustrations, ces petits éléments graphiques qu'on avait de manière hyper pixelisée, puisqu'en fait ils avaient récupéré des vieux assets de Dofus 2 pour les repasser sur Unity, mais sans forcément les retravailler, ça faisait qu'on n'avait pas de la HD. Bon bref, voilà, ça c'est des petits soucis techniques, le jeu est très vaste, il est très vieux, pour eux c'est un peu galère, mais c'est absolument vital que le jeu soit beau en fait, on ne peut pas avoir des trucs tout pixelisés comme ça sur une technologie qui permet de faire des belles choses. Sachant qu'évidemment, plus on monte la qualité, plus ça va consommer des ressources pour l'ordinateur, et donc ça c'est toujours l'éternel problème. Mais je fais partie de ceux, et je pense que la majorité de la commu est dans ce cas-là, qui aimerait bien quand même avoir des belles maps bien propres en HD, et pas se balader sur des paquets de pixels. Une belle nouvelle aussi, c'est au niveau des serveurs, ils ont fait des améliorations. Ils sont assez confiants pour Unity, pour que ça se passe bien en termes de surcharge de serveur, de latence ou de ping, tous ces petits soucis qu'on peut avoir quand on a des grosses périodes d'affluence de joueurs. Ils ont vraiment pu se faire la main, en fait, se roder sur la bêta Unity et sur Draconiros. Ils ont beaucoup amélioré les choses et la manière dont ils gèrent ça en interne. Et typiquement, actuellement, Draconiros est en dessous de 50 de ping, ce qui n'avait jamais été atteint avant, en fait, dans toute l'histoire du serveur. Donc c'est vraiment des choses dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais ça fait plaisir de voir qu'on se dirige a priori vers une expérience de jeu plus fluide. Ensuite, on passe à tout ce qui va être idle de classe. Donc l'idle, c'est la position qu'on a en combat quand on fait rien, en fait, un peu par défaut. Et ça va arriver donc le 31 octobre. Il nous avait fait donc des propositions de différentes idoles de classe avec un choix en fait sur 3 options, et la communauté a pu voter entre ces 3 options. Et ils ont retenu en fait certaines propositions parmi celles qui avaient été les plus plébiscitées par la communauté. Parfois ils en ont fusionné 2, par exemple les 2 qui avaient le plus de votes, en fait ils ont fait un hybride entre les 2, ils ont tout retravaillé. Et donc voilà, ça va arriver le 31 octobre, et il y a toujours une contrainte, c'est qu'on va garder l'idol un peu moche de boxeur pendant son tour de jeu entre les sorts. C'est-à-dire qu'on aura l'idol de classe en dehors de son tour de jeu pendant que le combat se déroule, mais pendant son propre tour de jeu, entre 2 actions, on va avoir toujours cette posture de boxeur qui dénote un petit peu avec l'univers Dofus. Mais c'est très compliqué pour eux de leur toucher par rapport à tout ce qu'ils ont fait maintenant, ça veut dire en gros ils devraient repasser sur toutes les animations de tous les sorts pour pouvoir remodifier ça, pour des petites contraintes de continuité graphique, mais bon bref, ce sera sûrement fait à l'avenir, parce que tout le monde est d'accord pour dire que cette idol ne va pas, mais en tout cas, a priori pour la sortie Unity, ce sera conservé et retouché par la suite. Donc au niveau temporel, là maintenant ce que je vais annoncer, ça va arriver dès demain, donc dès jeudi 24 octobre. Premier point hyper important, premier gros ensemble, tout ce qui concerne l'ergonomie multicompte, avec donc l'auto-join, l'auto-focus, l'auto-follow, l'auto-prêt et encore d'autres choses. Donc ces features dont il nous parle depuis un petit moment. Normalement, on devrait pouvoir tester tout ça demain. Je vous avouerai que je suis particulièrement impatient de pouvoir aller essayer ces fonctionnalités et voir à quel point ça fluidifie l'expérience de jeu. On va aussi avoir l'autopilotage pour tous dès demain. Donc c'est-à-dire en fait pour les comptes abonnés niveau 10 et plus, mais bon globalement ça veut dire pour tout le monde. Et attention, grosse info, le point noir en fait de cette amélioration, de cette on va dire évolution du jeu, c'est que deviennent les potions d'autopilotage pour monture et pour montilier qui sont déjà possédées par les joueurs, qui sont quand même des investissements assez conséquents, notamment pour, en fait quel que soit le type de joueur, hein, pour un monocompte, ça peut être cher parce que le budget est limité, et pour des multi-compteurs qui peuvent générer plus de kamas, ça fait aussi beaucoup plus de potions à acheter. Typiquement, moi, sur mes persos, j'ai 80 potions actuellement, ce qui représente un bon, allez, 240 millions de kamas si on considère que c'est 3 millions d'unités. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur des grosses sommes, et c'est compliqué à revendre, en plus il y a les contraintes liées au compte, etc. Bon bref, on est beaucoup à se poser des questions sur comment ces choses-là vont évoluer. Et bien, ils nous ont sorti dès maintenant un devblog sur les nouvelles compensations, tout un nouveau système qu'ils ont mis en place. Et ce que je vous propose en fait, c'est que tout simplement là je finisse de vous faire le réac à l'Ankama Live, et que dans la foulée je vous tourne une lecture réaction du devblog pour qu'on étudie ça un petit peu en profondeur. À l'heure où je vous parle là je ne l'ai pas encore lu, mais ils nous ont dit dans les grandes lignes que ce sera toujours un système avec des bonbons, donc quand j'ai entendu ça j'étais assez blasé, mais apparemment il y aura des effets beaucoup plus intéressants, et notamment certains qui peuvent influencer en fait la rentabilité économique qu'on peut avoir sur certains aspects du jeu. Donc ça pourrait, selon Riebeck, ça devrait nous faire gagner plus de kamas que le prix en fait qu'on a payé la potion d'autopilotage. J'avoue que je suis un peu sceptique et que ça j'attends de le voir pour le croire. Et voilà, ils ont cité typiquement un exemple, ce serait pendant 2 heures plus 50% de colisation générée en Coliseum. Voilà, typiquement pendant une durée, augmenter ce qu'on génère sur une certaine activité in-game. On va voir. Voilà, je laisse ça en suspens et j'irai ensuite checker donc ce devblog. Ils nous ont également montré les pictogrammes des classes sur l'icône du jeu dans sa barre des tâches. Alors ça, ils nous l'avaient déjà annoncé avant, mais là, cette fois-ci, on a pu voir vraiment ce à quoi ça ressemble. J'avoue que je suis assez fan. Ça va permettre en fait de distinguer très facilement ces fenêtres, de savoir quel compte correspond à quelle classe. Quelle fenêtre correspond à quel compte plus précisément. Et le rendu visuel est plutôt chouette, et franchement je trouve que c'est une belle petite amélioration de qualité de confort. L'interface des sorts a été légèrement revue au niveau de l'affichage. Bon, moi j'avoue je comprends pas trop les débats qu'il y a là-dessus, mais je sais que certains y sont très sensibles. Pour moi tout ce qui est important c'est qu'on ait accès à tous ces sorts d'un coup sur une seule interface sans avoir besoin de scroller, et après le reste, bon. Les templates d'interface. Alors ce qu'ils appellent templates d'interface, c'est les pré-enregistrements de réglages. Typiquement, vous avez un paramétrage du jeu pour du farm, un paramétrage pour un combat technique, un paramétrage pour des activités monocomptes, de la forge de magie, du PVP, du PVM. Vous pourrez avoir en fait des ensembles pré-enregistrés de réglages et switcher entre les uns et les autres. Ça faisait aussi un petit moment qu'ils nous en parlaient, et là a priori ça devrait arriver demain. Et ce sera enregistré sur l'ordinateur et non pas sur le compte. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où ça veut dire que pour les multicompteurs, on va pouvoir paramétrer un compte et ensuite lancer les autres et bénéficier des mêmes réglages. Ça, c'est vraiment très très chouette. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement sur 2.73. Mais là, sur la bêta, c'était pas ça. Et moi, j'avais envie de vous faire des tests de PVM, de farm à 8 comptes ou autre. Quand j'ai vu que je devais me taper 8 fois le paramétrage des réglages, je me suis dit c'est hors de question. Donc là, on va pouvoir faire des tests un petit peu plus poussés maintenant qu'on a ces features à disposition. La contrepartie qui est un peu pénible, c'est qu'on ne pourra pas la partager d'un ordinateur à l'autre. En tout cas, pas d'une manière qui est vraiment prévue et anticipée par Ankama. Alors pourquoi ? Tout simplement pour un risque de sécurité. Parce que si on pouvait en fait enregistrer, exporter ces ensembles, pardon, pas ces ensembles, c'est du coup ces templates, donc ces ensembles de réglages enregistrés, on va dire. Si on pouvait les exporter et les envoyer par exemple à un ami en lui passant un fichier et puis il l'utilise et sur son ordinateur, bam, il a les mêmes réglages que nous. Moi, typiquement, ça m'aurait bien servi parce que je sais que je vais prendre beaucoup de temps pour réfléchir à l'optimisation de l'ergonomie de jeu. Je vais en faire des vidéos et autres, et il y a plein d'abonnés qui vont me demander où est-ce qu'ils peuvent récupérer mes réglages. Si j'avais pu mettre un petit fichier téléchargeable que tout le monde peut récupérer, utiliser, et hop, là sur son jeu, il a tout paramétré comme je l'ai fait, ça aurait été un beau gain de temps et de praticité pour tout le monde. Le problème, c'est que ça pourrait constituer un risque de sécurité d'avoir en fait des envois de fichiers comme ça récurrents entre les joueurs, surtout que c'est plus ou moins du fichier texte. Et on pourrait y mettre un peu n'importe quoi dedans. Bon voilà, ça, en gros, ça pose un problème au niveau sécurité, et c'est pour ça qu'Ankama ne va pas dans ce sens-là. Après, on le sait, à partir du moment où le truc il est enregistré dans l'ordi, ça veut dire qu'en allant fouiller dans les fichiers, on peut trouver l'élément qui correspond à ces enregistrements de réglages d'interface. Mais niveau CGU, comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura le droit? Est-ce que ça va devenir une pratique courante d'aller fouiller dans son jeu pour récupérer des trucs et les envoyer à un pote ou autre? Ou même les passer d'un PC à l'autre, hein, pour ceux qui jouent à plusieurs PC. Moi aussi, côté créateur de contenu, je pense à des événements, quand ça peut nous arriver d'être sur des LAN, des choses comme ça, où on n'est pas sur son ordinateur. Si je peux arriver avec mon petit fichier qui me met tac en 2 clics tous mes réglages d'interface quand j'arrive sur un PC vierge sur lequel je vais jouer qu'une seule journée, ça aurait pu être vraiment très pratique. Voilà, j'imagine qu'on reparlera de tout ça, mais en tout cas, Ankama n'a pas prévu de système pour partager les réglages pour raison de sécurité. Ensuite, alors ça c'est des petits changements mineurs, mais ça fait quand même plaisir. Pour ce qui concerne les changements de classe, de sexe et de nom, on n'aura a priori plus besoin de ce déco-reco, on aura une interface dédiée en fait qui va s'ouvrir. C'est vrai que c'était bizarre d'utiliser la potion et de devoir se reconnecter sur le compte pour ensuite pouvoir changer. Et petit effet qui se coule, le changement de classe qui aujourd'hui nous donne un changement de sexe, de visage et de couleur, désormais donnera aussi un changement de nom. Donc bon, ça, pourquoi pas, ça veut dire qu'on peut vraiment faire un changement total de son perso. Et de la même manière, le changement de sexe qui aujourd'hui ne donne que changement de nom et changement de visage en plus du changement de sexe, hein, évidemment, donne également un changement de couleur désormais. Voilà, ça veut dire que sur une potion, vous aurez le droit de modifier un peu plus de choses différentes sur votre perso à la fois. Toujours dans la catégorie modification, création des persos, on a souvent des discussions, et souvent ça rigole bien dans la communauté, sur les pseudos qui sont autorisés, le casse-tête que ça peut être en fait, de trouver son pseudo de personnage sans taper dans une règle mystique qu'on n'a pas le droit d'outrepasser. Donc typiquement, on ne peut pas faire un perso qui contient la chaîne de caractères GM dans son pseudo. Pourquoi? Parce que GM, ça pourrait correspondre à Game Master. Donc voilà, niveau RP, chez Ankama, c'est réservé. Le problème, c'est que... alors ça, après, c'est des questions de regex. Hein, ceux qui ont fait un peu d'informatique connaissent bien. Moi, je me suis tapé des examens là-dessus il n'y a pas longtemps, donc j'ai bien ça en tête. Mais globalement, ils pourraient avoir fait en sorte que tu ne peux pas avoir GM juste en fin de nom ou juste séparé d'un tiret par d'autres lettres. Mais la manière dont ils l'ont fait, et c'est pas très propre, c'est que typiquement... sur Magma, le pseudo Magma, bah vous avez l'enchaînement de lettres GM, et donc Magma ne passe pas à cause de ça. Ce qui est en fait une dérive un petit peu de la restriction qu'ils voulaient imposer, mais parce que ça a été mal codé de base, j'imagine. Donc voilà, c'est ce petit exemple qui nous a fait sourire, illustre qu'ils ont fait beaucoup d'améliorations sur toutes ces contraintes-là, sur toutes ces règles de création de pseudo de personnages, et donc à partir de maintenant, on devrait avoir beaucoup plus de souplesse. Je crois qu'ils nous ont parlé de 1500 règles qu'ils ont supprimées, c'est pour vous dire une idée de la dinguerie que c'est actuellement, et moi, je me suis pété le crâne des fois, je faisais mes noms de perso, et je me demande, mais pourquoi ça passe pas, mais qu'est-ce que c'est que les... T'sais, après, t'essaies de trouver la petite formule, d'inférer les règles, mais il y a des trucs, c'est à dormir dehors, quoi, vraiment. Donc voilà, et on aura peut-être la possibilité, ça reste encore une question qu'ils sont en train d'étudier, de mettre peut-être des espaces dans les pseudos. Moi perso, je suis contre, je pense que ça peut poser des soucis de lisibilité et niveau informatique, mettre des espaces dans les noms, c'est jamais une bonne idée. Mais a priori, ça pourrait être vers ce genre de choses qu'on se dirige avec beaucoup plus de souplesse, peut-être des espaces, des accents, des trucs comme ça, bon bref. Voilà, on va pouvoir s'amuser un peu plus sur les créations de nos teams de perso. Ensuite, à nouveau, on revient sur un point d'ergonomie d'interface. On va avoir l'option de masquer plus ou moins les headers d'interface. C'est-à-dire, en gros, la petite barre qui surplombe une interface pour dire le nom. Typiquement, vous aviez votre barre de sort là, qui était affichée sur le jeu. Et bien, au-dessus, vous aviez écrit « barre de sort ». Genre, pourquoi on aurait besoin d'avoir ça? Genre, on voit bien que c'est la barre de sort, tu vois. Mais le truc, c'est que ça prenait de la place à l'écran, c'était pas terrible. Donc, on va pouvoir les masquer. Le problème, c'est qu'il restera toujours une petite bordure un peu plus épaisse qui sert en fait à pouvoir glisser et modifier les interfaces quand on les déplace. J'avoue que ça me contrarie légèrement. Bon, on est vraiment là sur du détail, hein, c'est pas ça qui va faire que le jeu est jouable ou pas. Mais je pense que ce serait beaucoup plus sain tout simplement d'avoir un mode custom d'interface, un mode personnalisation en gros, qui pourrait être activé ou désactivé. Donc quand il est désactivé, on ajoute les interfaces sans rien de plus, et quand on l'active, éventuellement là on peut les déplacer, on a un petit truc en plus. Mais il n'y a pas besoin de le laisser afficher tout le temps quand on est en train de jouer, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, bon, tout ça, il faudra l'avoir dans les mains et pouvoir tester un petit peu pour avoir une analyse un petit peu plus profonde de tout ça, je pense. Voilà, on arrive du coup à la fin de ce qui arrive demain, le 24 octobre, et on passe à une autre catégorie qui va être ce qui va arriver le 7 novembre. Hein. Comme vous les avez vu depuis le début de cette bêta, les nouveautés arrivent en fait par phase, hein, par différentes vagues. Donc le 7 novembre, on aura les statistiques de fin de combat, duquel il nous parle depuis un petit moment. Mais en fait aujourd'hui là on n'a que personnages et résumé, hein, c'est deux onglets qu'on a quand on a terminé un combat, et donc le 7 novembre il y aura un troisième onglet qui va arriver, qui sera du coup statistique, où il y aura des choses beaucoup plus détaillées, qui sera disponible à la fois en PVM et en PVP. Bon, c'est... Moi je trouve ça sympa parce que voilà, de toute façon il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Après c'est pas forcément hyper pertinent, ça pourra servir un petit peu à faire le malin avec ses potes à qui a tapé le plus fort. Pour certains theorycraft, ça pourra éventuellement être pertinent de regarder certains petits détails pour affiner 2-3 stratégies. Mais je pense que globalement, c'est pas forcément de l'information qui va être hyper exploitable. Parce que avoir tapé plus fort que quelqu'un dans un combat ne veut pas dire que tu as mieux joué que lui. Enfin, il y a tellement de subtilité dans la manière dont on peut prendre des décisions et impacter un combat que moi je suis relativement mitigé sur tout ça. Mais dans la mesure où c'est des espaces qui ne sont pas exploités sur les interfaces de fin de combat, et que ça sert à rien de ne pas le mettre, autant les mettre. Hein, mais voilà. Ensuite, donc le 7 novembre, du 7 au 28 novembre, il va y avoir un événement sur la bêta. Un événement qui va constituer à taper les donjons de niveau 190 à 200 par groupe de 3 ou moins pour gagner des bétatons. Et ces bétatons vont permettre d'acheter des récompenses. Avec 30 bétatons, vous aurez un titre bêta major, et avec 80 bétatons, vous pourrez acheter à Montillier bêta test. Donc vous savez, c'est l'espèce de grosse tortue avec l'icône bêta dessus, enfin assez sympa. Et ce sera les tout premiers qui vont être générés sur les nouveaux serveurs. Donc si vous voulez vous la péter à Incarnam, vous pouvez rush cet événement. En vrai, ça peut être sympa parce que c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a fait sur bêta, c'était plutôt axé début de jeu, hein, avec tout le monde qui s'est précipité pour faire des aventures de zéro. Donc là, cet événement, il est fait un petit peu pour que les joueurs aillent se confronter au contenu endgame, qui a du coup forcément été beaucoup moins testé par les joueurs jusqu'ici. Attention, grosse info, on a enfin la date officielle de sortie de Dofus Unity, ça va sortir le 3 décembre. En début d'après-midi si tout va bien, plus tard sinon, mais en tout cas on a la date. Je vous avouerai que moi je m'attendais plutôt au 10 ou au 17 décembre. Vraiment 3 décembre c'est plutôt cool, ça veut dire que on l'aura plus tôt que prévu et qu'on aura vraiment tout le mois de décembre et que pendant la période des fêtes ou un petit peu des vacances de fin d'année où il y a beaucoup plus de monde qui va être dispo avec un peu plus de temps. Les choses devraient déjà être bien lancées, les premières perturbations des premiers lancements devraient déjà avoir pu être corrigées. Il faut aussi prendre en compte que chez Ankama, il y a besoin d'avoir les équipes dispo. S'ils le sortaient juste avant les fêtes, forcément il y aurait beaucoup moins de monde dispo pour réagir en cas de problème ou autre. Donc c'est un choix qui me paraît plutôt cohérent, mais je l'attendais un tout petit peu plus tard en ce qui me concerne. Donc 3 décembre, rendez-vous, bloquez-vous un mois de dispo pour farmer comme des foufous, là ça va être très sympa. Évidemment, gardons à l'esprit que tout ça, c'est qu'un début. Hein. Le 3 décembre, ça va vraiment marquer le début d'une aventure. Le jeu ne va faire normalement que s'améliorer à partir de ce moment-là. Là, on est vraiment sur une bêta, sur un portage de ce qui existe. Mais là, sur les prochains mois, les prochaines années, on devrait vraiment avoir des choses de plus en plus sympas qui arrivent sur le jeu. Et c'est vraiment très enthousiasmant. Voilà, on arrive à la fin du live où il y avait une partie plus réponse à des questions un petit peu en vrac. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai tout noté. Je déroule mes prises de notes. Niveau guilde, enclos, maison, il y aura des améliorations qui vont être faites. Et on aura plus d'informations là-dessus au prochain live. Prochain live qui aura lieu le 5 novembre d'ailleurs. Donc pareil, hein, j'essayerai de me rendre dispo et de vous faire une vidéo pareil le 5 novembre, enfin, comme j'essaie de faire à chaque fois qu'il y a un Ankama Live. Il y aura pas mal d'infos aussi le live là. La question a été posée de savoir si on aurait une revalorisation des ressources rares des protecteurs. Et a priori, la réponse est non. Bon, il y aura quelques petits modifs de recettes ou de choses comme ça qui auront des effets de bord, on va dire. Mais il n'y a pas de modif prévu spécifiquement là-dessus. Ensuite, au niveau du temps de jeu en combat, j'avoue que c'est un point qui me mérite beaucoup, surtout que j'ai l'impression qu'ils l'ont raccourci avec le passage à Unity. Et ils n'ont rien prévu dessus pour l'instant. Moi, ça me trigger un peu, franchement, parce que bah, je trouve que ça nuit beaucoup à l'expérience de jeu. Là, j'ai essayé de faire un petit peu de Coliseum et tout. Bah, franchement, pour des classes un peu skillées, tu veux jouer du Xelor un peu tryhard, de Lilio, des machins, tu galères, quoi, parce que c'est vraiment hyper court. Je vois pas ce que ça leur coûterait, en fait, de rajouter juste... Bon, évidemment... La difficulté, c'est qu'il faut que le jeu reste dynamique. Il ne faut pas non plus que les gens s'embêtent pendant les combats. Il y a un équilibre à trouver, ça je peux très bien le comprendre. Y compris niveau attractivité des nouveaux joueurs. Pour du PVP, il y en a qui ont envie de jouer sans trop se prendre la tête. Si les tours prennent 1000 ans, ça va les saouler et tout, je comprends très bien. Moi, ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est un système du type s'arranger pour qu'on n'ait pas beaucoup de temps de jeu au tout début de l'aventure, de sa progression dans le jeu, mais que plus on arrive vers du HL tryhard et plus on ait du temps de jeu. Donc ce que je proposerais, par exemple, ce serait qu'on ait... une base de allez, 20 ou 30 secondes, et à ça on rajoute une ou deux secondes par PA ou PM disponible au début du tour par exemple. Ce qui fait que quand tu as un tour à 10 PA, bah, tu as moins de temps de jeu que si tu prépares un gros combo de Xelor, tu te retrouves à 18 PA au début de ton tour, tu as un milliard d'actions à faire, ou un panda qui a 13 PM qui va devoir se déplacer, porter un mob, jeter, redéplacer, reporter, rejeter, etc. Je pense que ce serait une bonne option de faire voilà, quelque chose qui est dépendant du nombre de PA, PM en début de tour, et éventuellement pour le côté PVP, d'augmenter le temps de jeu avec la cote. Dans les classements dans le Coliseum, quand tu arrives vraiment dans les 1% des joueurs les plus tryhard, peut-être mettre des tours un peu plus longs. Moi je serais tout à fait favorable à ce genre de choses, mais apparemment ça n'est pas d'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis assez curieux d'avoir vos retours. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que là c'est fine et que si c'était plus long on s'ennuierait? Moi, j'ai vraiment l'impression que ça nuit à notre expérience de jeu quand on veut jouer un petit peu sérieusement à un niveau assez poussé, avec beaucoup d'options, dans son tour de jeu. Peut-être c'est juste moi qui vieillis et qui galère à jouer vite, hein, c'est possible aussi, mais bon, bref. Ensuite, au niveau des quêtes, ils vont améliorer certaines quêtes un peu bourbiers, des quêtes Pandala, des quêtes Tour du Monde, typiquement, il fallait taper les 4 blocs royaux, c'était un petit peu débile, donc on n'aura plus qu'à en faire un. C'est des petites améliorations comme ça de confort, qui, je pense, vont être appréciées par tout le monde, surtout quand on va faire des aventures en repartant de zéro. Évidemment, ça n'a pas forcément été précisé jusqu'ici, mais toutes les améliorations pour les multicomptes, pour celles qui sont pertinentes, elles seront disponibles aussi pour les groupes. Hein. Donc quand on parle d'auto-follow par exemple en multicompte, bah, si vous jouez avec un ami qui est chacun chez soi, vous aurez également accès à ces options d'ergonomie dans votre équipe. C'est un petit peu, il y a un peu une confusion entre multicompte et groupe, mais en gros c'est du jeu en team, c'est des options pour le jeu en équipe, quoi. Les améliorations, elles devraient être d'ailleurs dispo sur Mac, mais pas nécessairement sur Linux, là, ils galèrent un peu. Bon, là, on est vraiment sur quelque chose de très marginal dans la communauté, mais voilà, la grande majorité des gens est sur Windows. Les Mac, ça devrait le faire. Linux, si vous voulez jouer sur Linux, vous êtes un hipster, il faut assumer. Développez-vous vos solutions, je pense, ce sera très bien. Petite info un petit peu badante, le serveur Freeloot 2 va fermer dès demain, parce qu'il y a très peu de joueurs dessus, donc je comprends tout à fait qu'ils aient envie de regrouper les gens sur les mêmes serveurs. Ça, bon, c'est pas gravissime, hein, parce que c'est des serveurs sur lesquels on a accès à tout, on peut se faire un perso de 0 en 2 secondes, mais ça peut prendre un peu quand même de temps pour ceux qui se sont vraiment fait déjà les ensembles, les stuffs, les machins. Il faudra qu'ils repassent un petit peu de temps pour tout refaire sur Freeloot 1. Mais voilà, le serveur Freeloot 2 ferme demain. Ils nous ont donné également quelques chiffres sur le système de report qui a été installé il n'y a pas très longtemps en jeu. Il y a eu 200 000 reports depuis le début du lancement, dont 128 000 uniquement pour du botting. Et pour l'instant, ils ont réussi à en traiter un peu moins de la moitié. Mais il y a un taux d'approbation en fait, des reports d'environ 95%. Donc c'est absolument énorme. Globalement, ça veut dire que la quasi-totalité des reports qui ont été faits étaient justifiés. Je me serais attendu à ce que ce soit beaucoup plus mitigé avec des gens qui reportent des autres juste parce qu'ils se prennent la tête ou pour des petits conflits in-game, mais apparemment ce système a l'air de plutôt bien fonctionner, donc c'est plutôt chouette. Faudra qu'ils pensent à passer aux farms Tremble à Frigost, parce que là j'en ai vu 2-3 se balader quand même. Mais ça c'est un autre sujet, on va en parler bientôt en vidéo d'ailleurs. Et il nous remercie tous ceux qui ont fait des reports de qualité. Bon moi pour l'instant j'en ai pas fait, mais il faudra que je regarde un petit peu comment ça se passe un jour quand même. La question a été posée pour les multi-comptes d'avoir des raccourcis, un petit peu comme on a sur Organizer, pour aller sur une fenêtre spécifique de sa team. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais ils ne sont pas fermés à l'idée. Ça pourrait être un très bon ajout pour le jeu. Donc je crois qu'ils ont noté l'idée et ils vont sûrement se mettre à bosser dessus. Attendez, je bois un petit coup. Alors, pour ce qui est fusion des nouveaux serveurs avec des anciens, voilà, la question a été posée, est-ce que les nouveaux serveurs Unity vont fusionner avec des anciens serveurs, etc. etc. Bon, clairement, pas à court terme, hein, dans l'année qui vient, là, l'idée c'est vraiment d'avoir les nouveaux serveurs qui partent de zéro avec l'économie toute fraîche ce vent de nouveautés. Après, il n'exclut pas qu'un jour ça puisse arriver, mais c'est vraiment pas du tout l'idée. Hein. Peut-être dans 5 ans, si les économies sont stabilisées et sont devenues comparables sur les nouveaux serveurs Unity et sur les serveurs historiques, peut-être il pourrait y avoir des fusions si y a une période de joueurs ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est pas du tout un scénario qui est prévu actuellement. C'est une option qui reste possible. La question a été abordée de l'initiative. Ça m'a fait plaisir qu'on en parle. Moi, c'est un sujet qui me saoule depuis pas mal d'années sur le jeu. Je ne pensais pas que ce serait évoqué aujourd'hui, de pouvoir en gros modifier l'initiative au sein de son propre groupe de manière arbitraire, genre choisir quel perso joue en premier, sans avoir à se soucier de l'initiative qu'on a dans son stuff. Moi je trouve que ce serait beaucoup plus sain d'avoir ça comme ça. Ils en ont parlé apparemment en interne, mais ils sont pas chauds du tout, sous prétexte que gérer l'initiative, ça fait partie de la gestion des stuffs et tout. Moi ça fait pas, ça me saoule. Pour moi l'initiative ça a du sens par rapport à son adversaire, ça c'est très bien, genre... tu fais du 1v1, la plus grosse ligne commence, tu fais du multi, la ligne moyenne ou ligne totale dit qui commence, et puis après c'est chacun son tour, et puis voilà, et après je vois pas l'intérêt qu'au sein de sa propre équipe, les choses soient imposées. Moi je me suis cassé la tête pendant longtemps à faire des stuffs avec des variantes d'items, avec ini, sans ini, avec la moitié de l'ini. Il y a un moment, mes baglours exopm, là, enfin mes alliances gloursonnes, j'en avais à 400 ini, à 300 ini, à 200 ini, à 100 ini, à 0 ini, pour pouvoir adapter selon les teams colis, selon comment je voulais que ça se passe au T1 et tout, mais quel enfer! Quel enfer! Je vois vraiment pas l'intérêt, même au niveau RP c'est pas cohérent, genre tu peux laisser ton pote jouer avant toi si t'as envie. Enfin franchement, moi c'est un point qui me saoule un peu, bon c'est pas vraiment dans le cadre de cette vidéo, on est un petit peu hors sujet, ça c'est plutôt des thématiques que j'aborde dans mes vidéos améliorées Dofus. Mais ils avaient l'air quand même d'être assez fermés là-dessus, alors que je trouve que ce serait vraiment un bel ajout pour le jeu, que l'initiative n'impacte que comment on joue par rapport à la team adverse, mais au sein de cette team qu'on ait une liberté totale de placer ses persos dans l'ordre qu'on veut. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Là aussi, je vous invite à m'écrire en commentaire ce que vous pensez de ce sujet-là. Ensuite, un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'historique des ventes, qui nous avait annoncé pour les serveurs Unity, et a priori pour l'instant c'est pas prêt. L'idée ce serait d'avoir une historique, une interface en gros où on peut voir toutes les dernières ventes effectuées, sachant que là on a juste du spam dans le canal d'information qui disparaît très très vite, t'es là, tu te fais des coups pour une activité ou autre, tu te recoues, t'as perdu toute l'info, t'es en multi-compte, t'es en combat, tu vois pas passer les trucs, tu sais pas ce que t'as vendu, t'arrives en banque, t'as plein de kamas, tu vas en HDB, tu sais plus ce que t'as vendu, quel enfer. Moi vraiment c'est un point c'est peut-être un des trucs qui m'irrite le plus dans le jeu actuellement. Tout ce qui tourne autour des HDV c'est un enfer, alors que le jeu il offre un potentiel de gameplay au niveau de l'économie qui est magistral, mais toute l'ergonomie est catastrophique. Bref, je vais pas commencer à m'énerver tout seul, pardon, excusez-moi, c'est un sujet sensible. Donc en gros, ils nous ont expliqué qu'en septembre, ils ont fait une modification pour aller dans ce sens, hein, pour pouvoir réaliser cette interface d'historique des ventes. Pour l'instant, c'est pas prêt, et ça pourrait arriver en gros début 2025. Donc si c'est ça, allez, on va dire c'est très bien. Moi j'attends en tout cas avec vraiment une grande impatience d'avoir ça, ça me permettrait de faire des suivis beaucoup plus précis de tout ce que je fais, et surtout d'avoir des récapitulatifs où je pourrais vous en faire des vidéos, des tutoriels, des analyses d'HDV, des fluctuations des cours, des choses comme ça. Ça pourrait être vraiment très très sympa d'avoir un petit peu des études économiques des serveurs, mais pour l'instant on a très très peu d'outils pour suivre tout ça. À part prendre des screens comme un dégénéré de son canal information, là moi, ça me rend complètement fou. Bref, ensuite, pour les maintenances du mardi, la question a été posée, est-ce qu'on va rester sur le système des maintenances du mardi toutes les semaines, ou est-ce que ça pourrait changer? Bon, ils nous ont expliqué déjà qu'aujourd'hui, la raison majeure pour laquelle les maintenances ont lieu tous les mardis, c'est pour gérer les migrations de personnages qui passent d'un serveur à un autre. Effectivement, ça se fait le mardi matin. Et donc, ils ont besoin de faire ces maintenances pour pouvoir faire ça. Après, il y a aussi tout un tas d'autres raisons pour lesquelles faire des maintenances. Hein. Mais à terme, là, ça pourrait évoluer, peut-être aller vers une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois. Ce serait possible. C'est pas pour tout de suite, mais c'est potentiellement une piste vers laquelle on se dirige, que les maintenances deviennent un peu plus espacées. Bon, franchement, moi, ça m'a jamais traumatisé quand je vois des gens qui pètent des câbles quand la maintenance, elle dure un peu ou autre. Eh, les gars, Dofus, c'est trop cool, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Si pendant quelques heures, le jeu n'est pas dispo, faites autre chose, tranquille. Autre info, la création des guildes va être beaucoup plus simple avec les modifs qu'ils vont faire encore là d'ici la sortie d'Unity. En gros, il n'y aura plus trop besoin de se casser la tête avec des mineurs HL ou je sais pas quoi. Donc j'imagine que les guildes halogèmes vont être revues. Pareil, ils vont nous en reparler du coup sûrement pendant le live du 5 novembre ou en tout cas dans pas très longtemps, ils vont nous reparler de tout ça. Mais la création des guildes sera beaucoup plus simple. Dès le début de son aventure avec ses potes, on pourra faire la guilde sans avoir à se casser la tête. Alors petit coup serrage de vis pour ceux qui ont essayé de bidouiller sur la bêta avec leur jeu pour essayer de contourner des restrictions. Typiquement essayer de désactiver les animations de sorts, en gros se faire un nœud anime mais de façon un peu illicite. Ils sont en train de là préparer une grosse vague de bandef de tous ceux qui ont essayé de contourner un petit peu les règles sur la bêta pour peut-être se mettre dans des meilleures conditions de farm, ou aller vers des choses qui sont un petit peu limites avec les CGU, du botting, des choses comme ça. Bon bref, il y a des bandevs qui vont partir dans tous les sens apparemment. Ils avaient l'air assez fermes là-dessus. Bon, évidemment, ne faites pas les fous à jouer avec vos fichiers du jeu, surtout si c'est pour contourner les conditions de jeu qui sont imposées à tout le monde. Vaut mieux faire le forcing pour que Ankama développe la meilleure ergonomie possible. Bref, c'est un autre sujet, là encore, hein, mode tactique, no anime, on va en reparler, hein, vous inquiétez pas. Mais là, c'est pas trop dans le sujet, cette vidéo. On a terminé le live tranquillement avec des discussions sur les améliorations, les performances autour de la RAM, du processeur, des choses comme ça. Il y a eu pas mal de discussions un petit peu techniques. Bon, j'ai pas d'éléments en particulier à vous restituer, mais voilà, on a pu évoquer un petit peu les contraintes, les pistes vers lesquelles ils essaient de se diriger, ce qu'on pourrait encore améliorer. Et voilà, on arrive à la fin de ce live. Et même à la toute fin, il y a Riebeck qui m'a souhaité bonne chance pour ma vidéo améliorée Dofus, sur laquelle je bosse depuis quand même un paquet de moments, là. Ça m'a fait super plaisir d'avoir ma petite dédicace dans l'Ankama Live. Voilà, et la toute dernière info qu'on a eue, c'est que les noms des nouveaux serveurs Unity allaient être annoncés pendant le live, l'Ankama Live du 5 novembre. Donc écoutez, on va pouvoir réagir à tout ça en temps voulu. Et on arrive à la fin de mes prises de notes de cet Ankama Live de 2 heures qui a eu lieu aujourd'hui, qui était donc un premier bilan de la phase 3 de la bêta de Dofus Unity et une annonce de ce qui allait arriver. À la fois demain pour certaines infos, d'autres infos qui vont arriver plutôt à partir du 7 novembre, prochain Ankama Live, le 5 novembre, sortie de Dofus Unity, le 3 décembre, voilà les dates à retenir. J'espère que ce petit résumé que j'ai réussi à faire à peu près condensé cette fois-ci, un peu plus que d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le format et surtout sur le fond, hein. Est-ce que ces annonces vous plaisent? Est-ce que la direction que prend le jeu vous convainc de plus en plus? Moi j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train de rectifier le tir là depuis... les débuts un petit peu hasardeux qu'on a pu avoir sur la bêta, là, ça va de plus en plus vers un jeu qui a l'air vraiment d'être chouette hein, pour décembre. Je suis, moi, de plus en plus impatient de pouvoir tester tout ça sur mes persos, sur ma team principale. Ça va être vraiment un plaisir, je pense. Donc voilà, vous me mettez les commentaires, vous me dites tout ce que vous en pensez, on va en reparler. Moi, là, je travaille sur pas mal de grosses vidéos qui vont arriver. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez le lien en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.